je suis ravi de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du film Ciel Rouge. Comme c'est un film du Vange, et que c'est une tradition, je veux bien vous demander d'accueillir avec moi Régine Dial pour les films du Vange. Bonsoir à tous, ce soir que vous avez passé de bonnes vacances. On est très heureux, de nous les distributeurs, de vous retrouver dans les salles. Et je voulais remercier Patrice de UGC Léal de nous recevoir ici dans cette belle salle que nous aimons beaucoup. Donc, au Film du Losange, nous sommes très heureux ce soir de vous présenter un film et un réalisateur que nous aimons beaucoup. C'est le troisième film que nous faisons avec lui. Nous avons fait Transit, nous avons fait Ondine, et à chaque fois, c'est un grand bonheur. Ces films ont été tournés aussi à chaque fois avec Paul Haber, qui est son actrice dans ces trois films que nous avons fait ensemble, et celui-là, Le Ciel Rouge. Et c'est aussi un bonheur de travailler avec elle. Elle est absolument formidable. Elle aussi nous aide dans les doublages, puisque c'est elle. Là, le film est bien sûr sous-titré en français, mais elle parle aussi merveilleusement en français, parce que vous vous souvenez bien entendu tous de France, de François Ozon. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce film, donc, qui, comme vous le voyez, a eu le Grand Prix du jury à Berlin cette année, bourse d'argent. Et je voudrais appeler près de moi ce cinéaste qui est reconnu et aimé, et vraiment en France aussi particulièrement reconnu comme le plus grand cinéaste allemand depuis la chute du mur. Et je pèse mes mots parce que vraiment nous avons au Losange une volonté de fidélité, de continuer à distribuer ses films et à être proche de son travail, de son imaginaire, de ses personnages, de ces acteurs qui nous enchantent à chaque fois. Le film sort le 6 septembre, donc c'est pas tout de suite. Donc, si vous avez le temps d'en parler autour de vous. Je vais appeler Paul Haber. Gustave Chaigny, Grégory Pétrel, Sarah Calfon, Sarah Bléger et toute l'équipe qui a travaillé sur le film, nos attachés de presse, et je vous souhaite personnellement une très belle projection et que vous partagerez l'amour qu'on a pour ce film. Merci à tous d'être nombreux ce soir. J'aurais pu écouter Régine encore pendant des heures. Surtout quand elle a parlé de moi. Wir waren vor ziemlich genau drei Jahren hier in Paris, Paula und ich. Il y a trois ans, assez précisément, nous étions ici à Paris, Paula et moi. Um die Pressearbeit für Undine zu machen. Und dabei wurden wir von einem Dolmetscher infiziert. Et pour faire le travail de presse, et l'interprète nous a infecté. Mit Covid. Aber das wussten wir noch nicht. Mais on ne savait pas encore. Am Abend waren wir in einem Restaurant und Macron hat den Lockdown verkündet. Et le soir, on a dîné dans un restaurant et à ce moment-là, pendant le dîner, Monsieur Macron a annoncé le confinement. Regine hat uns noch schnell zum Flughafen gefahren und Paula und ich bekamen das Gesamtwerk von Erich Rohner geschenkt. Donc Regine nous a conduit en toute vitesse encore à l'aéroport
Et Paula et moi, on a reçu un merveilleux cadeau, l'œuvre complète d'Eric Rohmer. Dann haben wir mit dem letzten Flugzeug Paris verlassen. Et avec le dernier avion, on a pu quitter Paris. In Deutschland war auch Lockdown. Et en Allemagne, il y a eu également le confinement. Corona hat sich in unseren Körpern ausgebreitet. Le Covid s'est répandu dans nos corps. Ich hatte schon ein fertiges Skript geschrieben. J'avais déjà un scénario tout prêt. Über einen dystopischen Film, der in einer faschistischen Zukunft in Deutschland spielen sollte. Donc un film dystopique qui se serait passé dans un avenir fasciste en Allemagne. Nach einer Woche Fieber im Bett. Après une semaine avec la fièvre et au lit. Hatte ich keine Lust mehr auf faschistische Dystopien. J'avais plus du tout envie de dystopie fasciste. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil es gab ja noch keine Impfstoffe. Et bien sûr, j'avais aussi un peu de la trouille parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin. Und neben dem Bett lag das Gesamtwerk von Eric Rohmer. Et à côté de mon lit se trouvait l'œuvre complète d'Eric Rohmer. Ich hatte in dieser einen Woche Netflix geguckt. Donc pendant une semaine, j'ai regardé Netflix. Ich hatte nach einer Woche die Schnauze voll. Et j'en avais assez. Und öffnete das Eric Rohmer Paket. Et j'ai ouvert mon coffret d'Eric Rohmer. Ich hatte die meisten der Filme schon gesehen, als ich jünger gewesen bin im Kino. Donc la plupart des films, je les avais vus quand j'étais plus jeune, je les avais vus au cinéma. Und ich hatte ein wenig Angst, dass ich mich vielleicht langweile. Et j'avais un peu peur de m'ennuyer peut-être. Aber das war das beste Vaccin, was man sich vorstellen kann. Mais c'était en fait le meilleur vaccin qu'on puisse imaginer. Ich bin 3 Wochen später und 22 Rohmer Filme später gesund geworden. 3 semaines après et 22 films de Rohmer après, j'ai retrouvé la santé. Daraus ist dann dieser Film entstanden. Et c'est à partir de ça qu'est né ce film que vous allez voir ce soir. Bonjour, c'était une belle introduction. J'ai vraiment pas grand chose pour ajouter, mais la première fois que Christian m'a raconté cette histoire, j'ai senti quelque chose de nouveau dans cette façon de raconter son film. Donc je suis très heureuse d'être ici ce soir pour vous présenter le film. Et c'est un film que j'adore beaucoup. Il y a plein de niveaux différents dans ce film et j'ai reçu une bonne projection. Je sais vraiment pas parler français.